Donc, il coupe l'acier dans la collecte et le recyclage du déchet plastique et des pneus usagés. Donc, nous transformons ces matériaux ou ces déchets, pardon, en matériaux de revêtement propre. Nous avons les pavés qui sont utilisés pour le mobilier urbain. Nous avons les plaques écologiques qui est une innovation propre à notre entreprise et qui permet de décarboniser les maisons et l'isolation thermique. J'ai constaté que les populations étaient beaucoup plus impactées par les déchets plastiques, la saleté et tout. Donc je me suis dit, certes, il y a des actions qui se font déjà, mais qu'est-ce que moi je peux apporter de nouveau? Donc je dis, tiens, voici un écosystème, voici un problème que je peux répondre, et donc apporter des solutions. Donc je me suis dit, ok, donc il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat pour pouvoir donner la chance aux jeunes et aussi répondre à un besoin de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. Le prix AWA m'apportera beaucoup de choses, surtout sur l'accompagnement technique, également les formations qu'on aura parce que nous, on a beaucoup misé sur les formations, que ce soit de façon pratique comme visiter d'autres écosystèmes. Il y a des choses qui se font à l'extérieur de notre pays qui se fait très bien. Et donc, on veut vraiment voir comment ça se passe et comment est-ce qu'on peut améliorer notre modèle économique, comment est-ce qu'on peut acquérir de nouvelles compétences aussi. Je pense que ces femmes-là doivent retenir trois choses, l'audace, avoir la vision claire et vouloir marcher avec cette vision-là, et se faire accompagner et aussi d'être authentique, quoi, de ne pas vouloir faire comme les autres, mais de rester dans ce qui nous parle le mieux.